sommes là pour défendre les valeurs de la République. La République qui, depuis plus d'un siècle, a inscrit la laïcité dans ses valeurs. Elle fait partie du patrimoine de Ploërmel, elle fait partie du paysage. Nous avons demandé au tribunal administratif d'interdire l'installation de cette statue puisqu'elle doit, d'après M. Ancelin, être un lieu de culte, de pèlerinage. Et de plus, elle est financée par des fonds publics et installée sur un lieu public. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à Ploërmel. Il y a actuellement, depuis je dirais une dizaine d'années, mais plus précisément dans les dernières années que nous avons connues, une tentative très nette de remettre des emblèmes religieux dans tous les endroits de la République. C'est pas même l'homme, le christianisme qui est mis en place, c'est l'homme d'État. C'est quand même un symbole du XXe siècle, c'est une personnalité du XXe siècle. La France et la Bretagne est toujours chrétienne, même si les Bretons et les Français ne le savent plus.